Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, alors je vous avais parlé de l'accélération d'un rythme. Donc j'en vois beaucoup qui font des accélérations trop rapides. C'est-à-dire que si on reprend un des accompagnements qu'on avait vu, par exemple. Accélération là qui veut rien dire parce que d'un coup, d'un seul, on passe de 60 à 80 bpm et à 120 sans prendre le temps de bien accélérer. L'exemple, si vous prenez une voiture, hein, vous démarrez de 0 à 100, vous n'êtes pas de 0 et hop, on est à 100. Hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, hein, vous savez compter. Donc, un petit truc pour l'accélération. C'est bien de le faire par 4, vous pouvez le faire par 2, hein, par 1 c'est un peu compliqué, donc par 4. Donc, j'oublie, mettez des toniques au départ pour bien différencier l'accélération. D'accélération qui vous empêche d'aller trop vite d'un coup, donc qui monte tout le temps. Voyez, on est passé de pam à ça, mais en accélérant tranquillement. Voilà, allez, bon exercice, bon travail. Au revoir à toutes et à tous. Les anciens, les nouveaux et les futurs élèves.